Bonjour et bienvenue dans Fais ton sport. Et les amis, j'espère que vous êtes tonique et en forme. Ils sont en forme. Allez, rejoignez-nous. On va faire quoi aujourd'hui? Écoute, un spécial pack complet. Un spécial pack complet, d'accord. Un spécial pack complet, c'est-à-dire qu'on va faire du renfort, du cardio, le bas du corps et le haut du corps. Tout ça. Mm-hmm. Bon, allez les amis, prenez vos baskets, une bouteille d'eau. On est parti? Allez, let's go. Allez les amis, on va commencer par un petit échauffement. Classique. Classique, évidemment, on va tous commencer. On va éviter les blessures. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on s'échauffe. Exact. Allez, jambe droite en arrière. Tendue. Voilà, ouh là là, Téric. Quand tu commences à nous échauffer avec des fentes, ça veut dire qu'on va faire des fentes. Des fentes, des squats, on va sauter, on va atterrir au plafond même. Atterrir au plafond. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Ah, vous allez le voir. Bon, donc Téric, tu nous as dit aujourd'hui c'est une séance complète. C'est ça. Première partie de cours, on fait le bas du corps. Le bas du corps. C'est-à-dire en faire du renfort et aussi en même temps on rajoutera du cardio. Ok, deuxième partie de cours. Haut du corps, on aura besoin d'un tapis cette fois-ci. Ok. On va travailler beaucoup sur le dos, sur la ceinture abdominale, les pompes. C'est du renfort quoi. C'est ça, exactement. Ok, donc deux parties de cours complémentaires. Allez, relâchez. Allez, pieds larges. On descend. C'est un sumo. Un sumo, gardez bien le dos droit, ok. Est-ce que je peux danser si je suis un sumo? On peut même bouger un tout petit peu de droite à gauche. Droite à gauche. Voilà, parfait. Allez, inspirez, expirez, serrez bien les abdos. Ok, relâchez tout doucement. Allez, cheville. Allez, pied large dans le bassin. Allez, petite rotation sur la droite. Allez, on grandit, on garde le dos droit. Allez, sur la pointe des pieds, hein, d'accord. Fais juste des petites rotations, tranquille. Allez, changez de côté, l'autre jambe. Pareil, petite rotation sur la pointe des pieds. Allez, c'est parfait, on y va progressivement la team. Allez à la maison, si vous venez juste d'allumer la télé, rejoignez-nous. C'est le moment de faire son sport à la maison. C'est très simple, une séance de sport sans matériel. On a 45 minutes en tout, dont 35 minutes d'exercice. Allez, pieds larges dans le bassin, pareil, rotation des genoux. Allez, sur la droite, petite rotation, on pousse les fesses vers l'arrière tout doucement. Allez, évidemment, comment on va faire des squats? Faut qu'on échauffe tout on ça avant. On va faire des squats. Ah oui, beaucoup de squats même. Tu sais en manger. Hein. S'ils font souvent des séances de fait ton sport, ils connaissent déjà bien les squats. Un exercice complet. Exactement. Allez, relâchez. Allez, bassin. Allez, à gauche et à droite. Allez, toujours pareil. Gardez bien le dos droit. Gauche et droite. Allez, je vous sens motivé hein, aujourd'hui. Donc ça veut dire, on va bien pouvoir les faire souffrir. Mais calme-toi. Ils adorent ça, tu sais. Oui. Ils savent pourquoi ils sont là. Effort, récompense, un beau corps bien sculpté, bien ferme. Okay. Brûler des calories. Ok, on relâche les épaules. Oui. Allez, les coudes fléchis. Allez, vers l'avant, on monte les épaules vers l'avant, on serre les omoplates. Tu en fais la vague. La vague, tu vois. C'est vrai que tu fais du hip-hop. Hein. Eh oui, c'est la vague. Tu vois. Allez, encore, on monte les épaules. Quand ça commence comme ça, c'est qu'on va bien rigoler pendant l'entraînement, les amis. Bien sûr, on fait ton sport, on s'amuse, on fait du sport. Ok, oui, on relâche tout doucement. Allez, la tête, la nuque. Eric, te supporter aussi, c'est du sport. Eh oui, je sais. Allez, on rentre le menton à l'intérieur. Et on vient vers l'arrière. Allez, à l'intérieur. Allez, encore un peu. On respire. Ok, on relâche doucement. Allez, vers la droite. Et à gauche. Droite. Et gauche. Encore un peu. Gauche. Et droite. Allez, on termine par toi, Shannon. Un peu de cardio. Un peu de cardio, ok. Allez, c'est parti. On va juste courir sur place, là, un petit peu. On se souvient que le muscle cardiaque, c'est un muscle, lui aussi. Donc on l'échauffe un peu. Comme ça, après, vous allez voir, dès qu'on attaque dans le cardio, ça va rouler. Mm-hmm. Tu sais qu'à chaque fois que tu me regardes, je me dis que tu prépares une bêtise. Mais non, t'inquiète pas. Ok, on court sur place, on commence à bien respirer. Comme ça, on finit d'échauffer les jambes, relâche les mains, les poignets.
On peut mettre aussi un petit tour de poignet parce qu'après, on va s'en servir pour la deuxième partie du cours. Donc on a dit tapis pour la deuxième partie du cours. Ok, bon, Téric, on se prépare pour une séance complète. C'est ça, donc 4 exercices, 45 secondes de travail, on aura 4 séries. Donc première partie, bas du corps, deuxième partie, haut du corps. Sympa, complet. Pas complet. Pas complet. Allez, soyez prêts, on y va maintenant. Go! Allez les amis, on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr. Voilà. C'est parti. Voilà, j'aime ça. Ça y est, ça commence. Donc, premier exercice, des squats. Mais cette fois-ci, une petite rotation vers la droite, squat, et de l'autre côté. Vas-y, c'est une petite option en plus qui va rajouter un peu plus de difficulté, ok? Tu sais quoi? Ça met du piment dans les squats. C'est ça, exactement. Donc, position de squat, pied plus large que le bassin. Allez, on y va, on se met en place. C'est parti. Squat. On tourne, squat, on revient au milieu, squat, et on change de côté. Voilà, parfait. Allez, on enchaîne, c'est parfait. Squat devant, squat à droite, squat à gauche. On pousse, pousser les fesses vers l'arrière, vers le bas. Ça fait beaucoup de squats quand même. Hein. Ah, c'est la base, j'adore ça. Les squats, les squats. On squat. On squat. Hey, c'est bon, ils vont connaître par cœur. Hey, je vous ai prévenu, vous allez en manger des squats. T'as fait quoi aujourd'hui? Des squats. T'as mangé quoi aujourd'hui? Des squats. T'as pris quoi au dessert? Bah, des squats, hein. Ah, c'est bon ça. Ok, on relâche. On part sur les fentes. Mm-hmm. Allez, en avant. On commence par la droite, on revient et on change. Pousse. Gardez bien le dos droit surtout, d'accord? Tirez bien les abdos. Allez, parfait. Allez, en fente. Allez, encore latiment, encore. Allez, toujours bien, gardez le dos droit, on ne s'incline pas vers l'avant, d'accord? Allez, on descend droit. On serre les abdos, là, sous le nombril. C'est ça. Allez, placez vos épaules en arrière, serrez les omoplates, et on revient. Hein, on change. Droite et gauche, ok? Droite, on change à gauche, super. Ça t'explique bien, tu serais pas coach, toi? Ouais, peut-être, peut-être. Ça m'arrive des fois. Allez, on ralentit. On rajoute le cardio, comme tout à l'heure. Squat, mais on va sauter sur la droite et sur la gauche. Vas-y, montre-moi. Là, là, milieu, côté. La même chose. Allez, la team, on y va. Voilà, comme tout à l'heure. On fichit bien sur les genoux, mais on fait un petit saut. Wouh, là, ça rajoute du cardio. Ah, ça commence à brûler ou pas? C'est le squat de la sauterelle. Wouh. Allez, encore. On squat, on squat, on squat. Et on saute. Allez, on décolle les pieds du sol. Allez la team! Allez, on tient, on tient, on fléchit sur les genoux. Allez, on revient au milieu et on change. Allez, encore, 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 je vous ai prévenu. C'est du cardio, du renfort. C'est le pack complet. Je sens mes jambes. Ok, on relâche. On termine par les montées de genoux. Ok, je vais montrer une option facile. C'est ça. Donc, option facile avec Shannon et difficile avec moi. C'est parti! Donc, pour l'option facile, c'est très simple, montez de genoux sans sauter. Si vous voulez continuer dans le cardio, suivez le monsieur ici. Coucou, c'est moi. Allez, gardez bien le dos droit, serrez les abdos et on monte les genoux, d'accord? On décolle les pieds du sol. Je sais qu'elles sont lourdes les jambes, c'est là où on travaille, tu vois? Bien sûr. Allez, encore. Ici, avec l'option facile aussi, on travaille, attention. Bien sûr. Bien on sûr. Travaille plus musculairement, moins sans cardio, okay. C'est différent. Ok, on ralentit. Wouh! Dis donc! Je vais prendre un extenteur. Oui. J'ai les jambes qui chauffent. Bien sûr. Allez, super, première série. C'est très très bien la team. Donc vous avez vu, hein? Renfort, cardio, pas complet. Allez, super. Allez, hydratez-vous, on a le temps, récupérez, marchez un peu. Allez, secouez, secouez. Check it, check it. Faites quelques pas dans le salon pour récupérer, pour respirer un petit peu. On a du temps de récup entre chaque série. On va passer à la série numéro 2. C'est ça, exactement. Allez, on se remet en place. Ok, la team? Et on y va pour la deuxième série. Allez, la team, fais ton sport. On passe sur la deuxième série. Ça va, Téric? Ah, je vais toujours bien tant que c'est le bas du corps, les jambes, j'adore ça. On va manger des squats, je dis. Ok, la team,
On se calme, on fait la même chose, on se concentre en maximum. On a encore quelques secondes de récupération si vous voulez vous motiver un peu plus. Vous montez le son, ça fait toujours plaisir. Amenez vos enfants par exemple aussi. Allez en place, de suite. Un squat au milieu, on se tourne, squat, on revient, squat. Et de l'autre côté, squat, voilà. Pensez à toujours bien pousser les fesses en arrière. Un squat, c'est vraiment les fesses en arrière. Hein, les amis, continue Eric. Surtout, je veux pas voir ça. Hein. Ça, c'est pas un squat, d'accord? Non, le squat, c'est les fesses bien poussées en arrière. Hein. Ok? Allez, on continue là-dessus. Allez, allez, les amis. Bon, fais ton sport. C'est pour les adultes, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. N'hésitez pas à faire les séances en famille. Et pour les enfants, vous savez quoi? Ça les fatigue. Ça vous fatigue? Ça les fatigue. C'est très sain. Allez, on continue. Ça va, Eric? Ça va très bien. Allez, la team. On relâche. Change de mouvement? Allez, c'est parti sur les fentes. Allez, c'est parti. Une jambe en avant et l'autre. On essaye de faire un grand pas en avant. Allez, la team. Garde les muscles sous le nombril là. Bien serré. On cesse des bras. Allez, on soigne ses mouvements. On cherche un grand pas. On repousse. Là, il y a tout qui bosse. Le fessier, les jambes. Des jambes fuselées. Comme des fusées. Fusées. Fuselées, fusées. Eric, tu pars toujours dans des délires, mais tellement lointains. Le sport, ça rend fou. Ah oui. Non, c'est, mais c'est une drogue. Tu sais que le sport, c'est une drogue, hein? Oui, mais toi, je pense que tu avais des prédispositions. Ok, relâche. On passe sur les squats sautés. C'est parti. À droite. On revient. À gauche. Oh, on pourrait se faire une petite choré la prochaine fois. Une petite macarena squat. Ah, c'est pas mal, hein? Excellent. Allez, gardez les genoux fléchis. Aidez-vous des bras pour sauter, monter haut. Vous pouvez faire petit, vous n'êtes pas obligé de faire des grands, grands squats. Et respire bien. Le sourire. Wouh. Allez, les amis. Au milieu, à gauche. Allez, encore la team. C'est des séances courtes, mais intenses. Allez, encore quelques secondes. Allez, poussez, ok. Allez, troisième exercice. Toujours pareil, montée de genoux. Option difficile, option facile. Allez, c'est parti, c'est la dernière. Allez, quatrième. Garde les abdominaux ici bien contractés. Les muscles profonds, très important. Ça nous permet aussi d'avoir le ventre plat. C'est ça qu'on veut. Oui, exactement. Si vous voulez des résultats pour avoir un ventre plat, faites des montées de genoux. Oui. De toute façon, dans tous les exercices, quasiment on a besoin des abdos. Et dans cela particulièrement. Exactement. Ça chauffe, Eric? Ah oui. Donc, on monte les genoux, on lâche pas. Alors, pour quelques secondes, 3, 2, 1. Relâche. Ok. À la maison, allez boire une petite gorgée et faites quelques pas entre chaque série. On se laisse ce temps-là de récup. On va partir pour la troisième, puis la quatrième, puis la deuxième partie du cours. Allez, on est ensemble pour cette séance. On est contents. D'ailleurs, vous savez quoi? Les pages de réseaux sociaux, fais ton sport, écrivez-nous. Dites ce que vous avez pensé de cette séance. Exactement. Dites-nous des belles phrases. Tiens, on va les ressortir pendant l'entrée de l'émission. Exactement. Allez, on y va. Troisième série. Oui. Toujours pareil. Là, ça roule, hein? Oh ouais, c'est l'autoroute. Allez, l'équipe, on se remet en place. Allez, les amis, troisième série. Hey, on est pas mal, là. Je m'en vais. Ah bon, mais tu reviens après? Je sais pas. Oh si, tu vas revenir. Allez, la team, troisième série. On a encore un peu de temps de récup. Je sais que ça commence à chauffer. Mais on est que au début de l'entraînement, hein. C'est que le début. C'est que le début. Pour les jambes, on est à la moitié. Pour le reste... Ouais, ouais. Vous êtes prêts? Position de squat. Vous vous rappelez, hein? Ok? Go. On descend. On change. On revient. L'autre côté. Super. Allez, respire, on pousse bien. Allez, encore. On pousse bien les fesses vers le bas, vers l'arrière. Serre les abdos. Et on pousse. Et on revient. Ouh. Allez, encore, encore la team. Serrez bien les abdos. Eh, vous n'avez pas la tête qui tourne? Non. Ouh, allez, on pousse. Allez, inspire, essouffle à la montée. C'est ça, la team, encore.
Allez, on reste motivé, on reste concentré. Allez, travail des fessiers, des cuisses, des abdos. C'est le pack complet. C'est ça. Ça va, Shannon? Ça va. La team, ça va? Ouais. La team, ils sont à fond. Ok, on relâche. On y va sur les fentes? C'est parti. On commence par la jambe droite. On revient à la jambe gauche. Allez, on fléchit bien en bas. Allez, on vient frôler le sol en bas. Allez, encore, on garde le dos droit. Ça pique! Ah, c'est ça qui est bon! Ça pique, c'est tonique, c'est bionique! Non, plus jamais, plus jamais! Si, j'aime bien cette rime! Non, non, non! Oh, si! Allez, encore la team! Wouh! Eh, vous allez voir des jambes, des cuisses bien musclées! Mais il y a intérêt, c'est pour ça qu'on vient! Allez, on relâche, super! Vous êtes prêts pour les sauts? Vous êtes prêts pour les sauts? Ouh, ils sont prêts pour les sauts! On fléchit, on saute sur le côté. On revient au milieu. L'autre côté. Wouh! Allez, décollez les pieds du sol. Surtout, gardez les genoux fléchis. Serrez les abdos. Waouh, elles sont lourdes les jambes, mais c'est ça qui est bon. Ce qui permet de travailler la puissance, la force. Donc, poussez. Allez, décollez-moi les pieds du sol. Encore. Allez, on revient au milieu. L'autre côté. On change. C'est ça, c'est parfait ça. Allez la team, on vous regarde. C'est parfait. Force, puissance, calories. Ah, exactement. Le trio gagnant. C'est le bon combo ça, hein. Allez, ok. Prêt pour les montées des genoux? Oui. Option facile avec Shannon. Allez, on y va. Allez, avec moi, on monte, on met de la vitesse. Et avec Shannon, on ralentit, mais vous travaillez autant, hein. Vous inquiétez pas. Cours, ça... je te dis. Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Eric, va loin. Tu connais l'histoire de la tortue et le lièvre? Non, dis-moi. Eh bien, la tortue, elle va pas vite, mais elle va loin. Ah, ok, c'est pas mal, oui, c'est et vrai. Et le lièvre, il va vite, et après, il fait une sieste, et la tortue le rattrape. Mais nous, on fait pas la sieste. Non, non, non. Non, 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 on est à l'entraînement, là. On fera la sieste après, ok? Après l'entraînement. Alors, on monte les genoux, la team. Allez, 3, 2, 1, top, on ralentit. Non, bien joué. Fouille. Ça, c'est bien fait. Joué. Bon. Ouh, c'est cardio la tout ça. La team, fait ton sport. Si c'est la première fois que vous faites une séance de sport avec nous, vous devez vous dire, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Au bout de 3-4 séances, vous allez voir, vous allez rentrer dedans, vous allez voir vos progrès très, très vite. Tenez bon. Prenez les options faciles autant que vous voulez. Prenez le temps de récup supplémentaire si vous avez besoin. Il nous reste encore une série à faire. C'est ça. Sur ces jambes. Exactement. De ce pack complet. Voilà, c'est adapté à tout le monde, d'accord? Prenez le pack qu'il vous faut, ok? Voilà, exactement. Il y a le pack simple et le pack complet. Allez, go! Allez, l'équipe, fais ton sport. On est parti pour la quatrième série. On squat, on squat, on squat, on squat. Voilà, jusqu'au bout. Voilà, au petit déjeuner, au déjeuner. Tout à la collation, voilà. Le soir, voilà, le dessert. Plein de squats, tout le temps. Squat, squat, squat. Ok les amis, on se met en place, c'est la quatrième série. Je veux un maximum de motivation. Mm-hmm. Je veux que vous donniez tout ce que vous avez. Promis, on fait ça. Et puis ensuite, on passe à la deuxième partie du cours. Allez, tout de suite, c'est parti. Squat, tourne, squat, tourne, squat, tourne. Trouvez un rythme qui vous convient. Faites-moi des squats propres. Jusqu'au bout, descendez plus bas. Allez les amis, descendez, descendez. Fléchissez-moi ces genoux. Poussez-moi ces fesses en arrière. Montrez-moi comment vous squattez bien. Ça va, Eric? Ouais, je veux du bruit, la team. Je veux du bruit. Allez, squattez. Ils ont mis le son à fond. C'est à la ça. Maison. Ils s'ambiancent. Allez, chantez même, criez. On squat, on squat. Allez, tous ensemble, on squat, on squat. En squat, voilà, c'est ce que je veux. Allez les amis, le sport, c'est l'effort dans la bonne humeur. Et c'est en faisant du sport qu'on devient sportif. On continue sur les fentes, de suite. Jambes avant, aidez-vous des bras. Allez la team, un pas plus grand, descend plus loin. Donnez tout ce que vous avez jusqu'au bout de cette séance. Il faut continuer, toujours donner le meilleur de soi-même, c'est ça qui est important. Vous avez votre propre point de départ, vos propres objectifs. Et avec nous, vous les atteignez, voire même, vous les dépassez. C'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. C'est notre objectif aussi, hein?
Exactement, on est là pour vous, nous. Hein. C'est ça, c'est de vous faire progresser. Alors... Coach Shannon et Coach Terry, à votre service. Alors, restez dans Fais ton sport, ok? Ok, troisième exercice. Les squats ou on se... Waouh, c'est parti. Allez, et un. Aidez-vous bien des bras. Allez, les amis, on respire, je veux un maximum de motivation. Amortissez bien la chute. Vous restez avec nous. Allez, c'est parti la team, on monte, on saute. Allez, gardez bien les genoux fléchis. Allez, décollez-moi tout ça. Ouais. Allez, on peut le faire. Allez, encore. Un maximum de motivation à la maison. C'est maintenant, c'est le moment sportif de la journée. Allez, encore. On pousse, ok. Dernier mouvement. Dernier. Cardio avec Terric, musculaire avec moi. C'est parti. Allez, Shannon, allez. C'est très, très bien. Reste comme ça. Je te dis. Allez, j'y vais. Allez, à la maison. On monte ses genoux. Garde les abdos bien contractés. Amortis la descente. Allez, jusqu'au bout de cette quatrième série, les amis. Encore quelques secondes de cardio. Ensuite, vous prendrez un tapis, on passe à la deuxième partie du cours. C'est ça, on va travailler le dos, les pectoraux, les abdos. Le renfort. C'est ça. Pas complet. On fait un pas complet sur l'eau du corps, ok? Pas complet. Pas complet. Ok, 3, 2, 1, et top. Relâche. Bien joué, Shannon. Terric, bravo. Joué. À la maison, un grand bravo. On a fini cette première partie du cours, encore un petit peu de récup. Faites le tour du salon, respirez bien, expirez bien, lancez les jambes, lâchez les bras, relâchez les mâchoires. On passe à la deuxième partie du cours, même principe. 4 séries, 4 exercices, 45 secondes de travail sur chaque exercice. C'est ça. On est au milieu là. Ouf, allez, prends une petite serviette hein, parce que je suis en sueur. Ah, j'ai couru après le bus là, tu vois. Ah, j'ai failli le rater. Allez, c'est bon, j'ai eu le bus. Donc c'est pour ça qu'on va faire la deuxième partie. Allez, l'équipe Fais ton sport, on est dans la seconde partie du cours. On a fait la moitié du travail. Si vous nous rejoignez maintenant, vite, échauffez-vous. Prenez votre tapis, on y va pour les guerriers qui sont avec nous depuis le début du cours. Allez, c'est parti, on va se mettre en place sur le tapis. Petit exercice un peu technique, je vous explique. On se met sur les genoux. Sur les coudes, et ce qu'on va faire, c'est on va monter à droite, redescendre, et ainsi de suite. Allez, go! C'est parti, monte droite, monte gauche, descend droite, descend gauche, monte droite, monte gauche, descend droite, descend gauche. C'est facile, Derrick, hein? Voilà, c'est parfait. On appelle ça les pompes aux coudes, les pompes militaires, il y a plein de noms. On vient renforcer toute la sangle abdominale. Allez, à la maison, respirez bien dès le début sur cet exercice. On a confiance en vous, on continue. Allez, gardez bien le dos droit, on serre bien les abdos et on repousse avec les mains, ok? Allez, on souffle et on pousse, super! Si vous êtes vraiment très très fort, vous pouvez faire ça non pas sur les genoux, mais carrément sur les pointes de pied. Mais là, relâche, il faut être vraiment très fort. Ah oui, c'est notre affaire là. Second exercice. Comme Terric, main de part et d'autre de la poitrine. Et on repousse. Et on repousse avec le dos bien droit. On préserve le bas de son dos, le bas de ses lombaires. Repousse bien. Ouh là là ! Ouh, ça tire sur les lombaires, c'est normal. Si ça chauffe, c'est normal. Inspirez, soufflez à la poussée. Moi, je le sens surtout dans les bras. Pousse. Voilà, on garde le dos bien droit, on vient pas cambrer le dos surtout. Ah, j'adore cet exercice, tu sais. Il est pas mal. Ah, il est complet là. Là, il est vraiment bien pour travailler les bras. Hein. Allez, la team. Allez, gardez les coudes serrés, inspirez, soufflez, poussez. Ok, relâche. Troisième exercice, Terric, on va se mettre sur les fesses. Voilà. Ici. Et là, on va faire petit vélo. Serre les muscles sous le nombril, rentre le ventre. Et fais du vélo, tout simplement. Petit vélo. Donc, soit comme Terric, vous posez les mains en arrière, soit comme moi, vous pouvez les garder en l'air. Ça complexifie un tout petit peu l'exercice. C'est vous qui voyez. Et à tout moment, si vous avez commencé avec l'option difficile, les mains en l'air, vous voyez que ça va plus, repose les mains. Mais toujours, surtout, serre bien ce nombril. On bosse les muscles profonds.
Allez la team, je sais que ça pique. Après, si vous êtes fatigué, vous reposez un peu. On respire quelques secondes et on repart, ok? Relâche. Dernier exercice. Russian twist. Russian twist. Avec les pieds. Avec les pieds. Là, à gauche, à droite, à gauche. Super. On est allé dans tous les sens hein, aujourd'hui. Hein. Avec les squats, avec cet exercice. Et ça bosse bien, je sens vraiment mes muscles, les abdominaux là. Tu sens les jambes aussi? Je sens les jambes. Ah, oui. Je sens l'avant là. Encore la team, c'est dans votre tête. Allez, on y va, on twist. Allez, encore quelques secondes. Allez, 10 secondes la team. Allez, on tient, on tient. Renfort puissant, pack complet, pack puissant. Et relâche. Ah, c'était pas mal, hein? Et vraiment, ce cours, il est très intense. Heureusement qu'on donne des options faciles pour que tout le monde puisse le faire. Hein. Ah, c'est pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Aide-moi à me relever. Allez, viens là, Shannon. Merci, Téric. Oh, là, j'ai bien senti sur les muscles profonds. Oui. Même les jambes aussi, hein. Allez, super, hydratez-vous. Voilà, toujours pareil entre chaque série. Prenez quelques secondes. Voilà, vous relâchez. La première, elle est toujours un peu difficile. Ensuite, ça glisse. Donc on se prépare, on se met en place. La seconde série arrive tout de suite. Allez la team, deuxième série. J'ai les épaules, les bras, ils sont lourds. Je vais boire, voir si ça les relâche un peu. Tu vas pouvoir tenir la bouteille? On va voir. Ok. Allez la team, toujours pareil, d'accord? Les 4 exercices, 45 secondes de travail. Je sais que c'est dur, mais c'est dans votre tête. Ok la team, vous vous rappelez comme tout à l'heure? On se met sur les avant-bras, position de planche et on repousse, ok? Allez, donc, largeur d'épaule, on y va, on pousse à droite, on repousse, gauche et droite. Allez, super. Gardez bien le dos droit, inspirez, soufflez quand vous poussez, hein, ok? Et on pousse, super, voilà. Allez, gardez bien le dos droit surtout. Allez, encore, on lâche pas, on lâche pas. Il y a les options faciles, il y a les options difficiles. Ne vous inquiétez pas. Inspirez, poussez. Ça va, Shannon? Moi, je suis concentrée, en fait. T'as vu, je parle même plus. Exactement. Restez concentrée. C'est ça le plus important. Restez concentrée. Allez, on pousse. Allez, encore, là, team, encore quelques secondes. Je sens mes bras. Mes okay. Bras me relâche. Position de sphinx. Sphinx. Allez, on... Coude serré, inspire, souffle, tu pousses. Sphinx. Et on revient. Pousse. Tu sais pourquoi j'appelle le sphinx? Oui. Voilà, tu sais, en Égypte. Mais on ressemble à des sphinx comme c'est ça. Exactement. C'est pour ça que j'appelle ça le sphinx. Allez, pousse. Si ça chauffe sur les lombaires, c'est normal. C'est que vous travaillez. Allez, en même temps, on travaille les triceps. Garde le dos épaules. Bien droit. Allez, encore, poussez. Inspire, vous soufflez à la montée. Hein. Pousse. On est bien, on est pas bien là, Shannon? Oui, bien sûr, on va rester comme ça toute la journée. Non, tu vas continuer là. D'accord, continue. Je continue. Voilà, merci. Ok, on relâche. Il paraît que nous les femmes, on peut faire deux choses à la fois, mais c'est pas tout le temps vrai, tu non, sais. Non, ça c'est pas vrai ça. Allez, on y va pour le petit vélo? C'est parti. Petite balade. On va où, Téric? Allez, je t'amène au bord du canal. Au bord du canal? Oui. Du midi? Oui, du canal du midi, c'est bien. Excellent, il fait toujours beau ici. Il fait toujours beau dans le sud. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire à Paris? Paris? Ouais. Il y a des belles choses à visiter c'est à Paris. C'est vrai. Sinon, tu sais, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas? Ah, aux Pays-Bas, là, c'est très très beau là-bas. Il y a plein de pays à visiter, plein de continents. Exactement. Allez, on pédale. Si vous êtes fatigué, inspirez, soufflez, récupérez et vous reprenez. Allez, tu vois, c'est plus facile de faire le vélo dans un sens que dans l'autre. Ok, on relâche. Mais je vais essayer ça tout à l'heure. Ok. T'es prêt pour le twist? Allez, go. Allez, à droite. À gauche. Allez, on se motive, la team. On lâche pas. Allez, on fait la petite balade après encore, ok? Où est-ce qu'on pourrait les amener après? Ouh là là, mais il y a tellement d'endroits dans le monde qui sont beaux. Vous savez quoi, sur les réseaux sociaux, envoyez-nous un message pour une fois qui concerne pas le sport. Dites où c'est que vous avez envie d'aller comme pays. Exactement. Où est-ce que vous avez envie de faire du sport? Voilà, exactement. Ah, mais oui, excellent. Envoyez-nous photos aussi, vos photos là. Hein? Ah oui, faites-nous des petits selfies. Ça serait pas mal, tu sais, genre au bord de la plage. Ah oui, faites-nous rêver.
Allez, encore quelques secondes la team, on twist, 3, 2, 1, et top. C'est du sport, hein? Ah, vraiment. Fais ton sport, c'est du sport. Ah, super. Allez la team, bravo, deuxième série. Validé. Voilà, vous êtes encore là, faut pas partir. Hein. Allez, prenez le temps. Et il nous reste deux séries. Première partie du cours, 4 séries. Deuxième partie du cours, on en a fait 2. Il nous en reste 2. Concrètement, il nous reste 6 minutes de travail. Bah écoute, c'est rien. C'est dans votre tête. Qu'est-ce que c'est 6 minutes? Mais c'est rien du tout. Interdit de s'asseoir sur le canapé. Allez, récupérez, hydratez-vous. Et on part sur la troisième série. Troisième série. Excellent. Allez, il nous reste encore quelques secondes de récup. Les amis, vous êtes forts. Vous êtes très, très forts. Franchement, donnez le meilleur de vous-même. C'est ça qu'on veut. On prend votre niveau et on l'améliore, OK? On peut aller très loin comme ça. Allez, on vous donne de l'énergie. Allez, tenez, c'est pour vous, OK? Troisième série, en position sur les genoux, Shannon? Oui, sur les genoux. Et les avant-bras? Et les avant-bras. Allez, go. Allez, on y va. Maintenant, monte droite, monte gauche, descend droite, descend gauche. Et je continue comme ça. Trouvez un rythme qui vous convient. Allez la team, on croit en vous. Et vous croyez en vous. Ça fait que tout le monde croit en vous. Ça fait que vous pouvez faire plein de sports. Allez, soyez toniques. Et soyez bioniques. Non, Eric, on a dit tu arrêtais avec ce délire. Je peux un peu. Non. Allez, on continue alors. Bien, Shannon, encore. Merci, Eric. Je te regarde. Je sens que tu es admiratif de mon effort. Allez à la maison. Allez, courage, encore quelques secondes sur cet exercice. Et enchaîne. Ouh, le sphinx. Le sphinx sur les avant-bras. On vient bien mettre les mains de part et d'autre de la poitrine et pouce dos droit. Attention, hein, bien, le dos maintenu. Allez la team. Poussez. Et poussez. Ouh, mes petits bras. Qui vont devenir des gros bras. Des gros bras énormes. Énormes. Tu penses que je peux avoir des bras gros comme qui? Comme Hulk. Hulk. Ou Popeye. Popeye, énorme. Je préfère Hulk, c'est un peu plus moderne quand même comme personnage. Ok, hein. Et puis je l'aime bien cet acteur. Oui, j'avoue. Bon, pour le côté vert, par contre, on repassera. Change. Ah. Allez, on y va, on enchaîne. Et le vélo. Ouh. Tu sais ce qui est bien en plus, c'est que comme fait ton sport est diffusé dans plein de pays, on va recevoir des photos de plein de pays. Oh, c'est trop bien ça. Moi je suis contente. Ah, j'adore. J'adore voyager. Allez, vos meilleures photos. Hein. Vos meilleures photos, ouais. Allez, encore la team, encore. Allez, courage. Serre bien le nombril, toujours. Ouh. Allez. Ouh. Plus on va loin dans l'effort, plus on est récompensé, vous le savez. Hein. Il fait beau. Au canal du midi. Allez, encore la team, encore en pédale. Ok, on relâche. Ouh. Allez, prêt? Ici, commence à droite. Allez, on y va. Hop. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est intense. Et les amis, demain et les jours suivants, vous allez sentir. Vous allez mettre le doigt comme ça sur votre ventre. Vous allez sentir vos abdos qui se sont musclés. Vous allez peut-être voir votre ventre qui va rentrer. Oui, c'est possible. Ah oui, bien sûr que c'est possible. Oui, on maigrit, on sera fermi. Grâce à Fais ton sport. Toujours. Oh là là, c'est super. Vous allez devenir adepte. Donc, restez avec nous. Allez, quelques secondes, les amis. 3, 2, 1. Et top. Relâche. Ils sont merveilleux. Ils sont incroyables. Moi, je pense qu'on les inspire et que grâce à nous, ils peuvent révéler le meilleur du sportif qui est en eux. C'est exactement ça. Le plus important, c'est de participer. Ouais, exactement. Même si vous ne faites pas tout, c'est pas grave. Vraiment participer. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça, exactement. Même si c'est la première fois que vous commencez le sport, si grâce à nous, on vous permet de faire un petit peu d'effort, on a tout gagné. Voilà, on peut commencer tout petit. L'important, c'est de continuer toujours. Allez, les amis, quatrième et dernière série. Toujours avec nous. Go!
Allez les amis, la dernière série, oui, 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 c'est la dernière et la meilleure. Toujours la meilleure. Et la plus facile. Toujours la plus facile. Allez, on a encore un peu de temps de récup. Hydratez-vous, j'ai soif depuis tout à l'heure, Shannon. Profitez-en pour vous mettre en place un grand sourire. Souriez comme ça, vous allez voir qu'en souriant automatiquement, le bonheur y vient, c'est incroyable. Allez, on se met en place. En place. Allez, sur les avant-bras. On y va et on pousse. Et on revient. Poussez avec la main droite, main gauche et on revient. Super, gardez bien le dos droit. Allez la team, c'est la dernière. Allez, on se motive, c'est la dernière, c'est la meilleure. On donne tout, option difficile sur les pointes de pied. Allez, encore, encore, sinon on reste sur les genoux, ok la team? Allez, encore, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Gardez le dos droit. On serre les abdos et on pousse, pensez qu'à ça. Vous êtes des machines et vous pensez qu'à pousser. Allez, encore, encore, encore. Eh, vous avez pas mal. Vous avez pas mal. Non, ils ont pas mal. Ah non, non, non. Ils sont concentrés. Bien sûr. Allez, poussez. Ok, on ralentit. On y va pour le sphinx. Allez, sur les mains. On repousse. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, encore. Poussez. Pensez qu'à pousser, c'est tout. Il n'y a que ça aujourd'hui. Vous pensez qu'à faire ton sport aujourd'hui, d'accord la team? Concentré, déterminé. Allez, je veux voir votre détermination. Allez, encore. Votre motivation. Allez, je veux voir votre mental qui pousse. Allez, serrez les abdos. Inspirez. Poussez. Allez, encore. Ouh, ça pique! Ça chauffe, ça brûle, ça pique. Mais c'est bon, ça. Relâche. Ok. Ouh. Allez, sur les fesses. Petit tour de vélo. Petit tour de vélo. C'est le dernier. Ça fait du bien de s'asseoir sur ses fesses quand même. Allez, on décolle et on pédale. Serre le nombril. Enfin, serre les muscles sous le nombril. Hein, vous avez compris. Hein. Pouet, pouet, klaxon, pouet, pouet. C'est pas plutôt ding, ding? Moi, c'est pouet, pouet. Toi, c'est pouet, pouet. Ouais. D'accord. Sur le canal du Midi, il y a beaucoup de vélos. Hein. Oui. Attends, je les préviens que j'arrive. Exactement. Dans le sud de la France, il fait beau. Pouet, pouet. Allez, on pédale, on pédale, on pédale. Ouh, ça tire sur les jambes, ça tire sur les abdos. Ouh, allez, la team, encore, encore. On tient, on tient, on tient. J'entends les calories qui s'en vont. Allez, encore, ok, on ralentit. Ouh. Dernière, twist. Allez, twist. Allez, on y va. Twist and twist again. Il n'y avait pas une chanson qui faisait ça, twist again. Ça, c'est ta génération. Ma génération, c'est si leur vieille... génération. T'es si vieille que ça, toi? Non, mais je l'ai... Tu sais, moi, à mon époque, il y avait des CD, hein, donc il y avait des vieux CD. Tu as 45 ans, Shannon, ou ouais, un peu plus. Hein? Je les fais pas, hein, c'est parce que je fais beaucoup de sport. Ah, c'est ça, le secret. Donc voilà, le secret de la jeunesse, c'est faire du sport. Et de s'hydrater. C'est ça. Et de bien manger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la minute nutrition, après. Ah, oui, oui, oui. Mais en attendant... Fais ton gainage, fais ton tes abdos. Allez, encore quelques secondes. Allez, la team, allez, allez, allez. On lâche pas, on lâche pas. 3, 2, 1, et top. Ouh, super, Eric, bien joué, c'est Shannon. C'est quoi ça? Bien joué, bien joué. Oh, incroyable. Waouh. Ah ouais, aujourd'hui, là, c'était intense. Hein. C'était très intense. Je suis en sueur. Ce qui me tarde, c'est déjà prendre une douche. Oui. Mais d'abord, les étirements avec toi, Shannon. Exactement. Après un bon training, après un pack complet... Un pack complet étirement. Et donc le pack complet, c'est déjà le training, les étirements, oui, la menu nutrition et la douche. La boucle est bouclée. Et voilà, ça c'est le pack complet de la journée, du travail qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Wouh, parfait, parfait. Gardez votre tapis, on se retrouve tout de suite pour les étirements. Un grand bravo pour cette séance qui était très 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 intense. Malgré les options, il fallait quand même la tenir. Bravo à vous. Maintenant, vous savez ce qu'on dit, le meilleur pour la fin, les étirements. On va commencer déjà, comme on a beaucoup travaillé au sol, à remettre les épaules, les omoplates en place. On va faire attention à ne pas cambrer le bas du dos. On reste bien droit. On va attraper les mains, soit droit, soit retourné. On va regarder légèrement vers le ciel et on va fixer ses omoplates, ouvrir la poitrine. Respire. Ok, relâche, c'est excellent. On inspire et directement, on va enrouler le dos rond.
et descend complètement. Voilà, on va faire des tout petits mouvements. On va faire des petits noms avec la tête pour laisser la tête profiter de la gravité, le dos se relâcher. Ouh, c'est bon, ça plie les genoux si besoin. Mets les mains bien dans le sol et là, on va venir quelques instants à quatre pattes, le temps de pousser les fesses en arrière. Tire les doigts. On va remettre la colonne vertébrale bien en place, lui permettre de s'allonger. Et relâche. On va remonter juste pour s'allonger. Oh, excellent! J'adore, on pourrait rester là. Mais on va s'étirer un petit peu les jambes. Elles sont bien travaillées aujourd'hui. On va attraper sa pointe de pied ici. On la ramène vers la fesse. Là, vous allez sentir le devant, ici, le quadriceps. Si vous êtes très, 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 très souple et que vous ne sentez rien là, vous passez sur le côté, la jambe. Il faut vraiment être souple, hein. Sinon, vous restez là. Excellent. J'adore. J'adore les étirements. Je suis sûre que vous adorez ça aussi. Et de l'autre côté. Les étirements, c'est quand on fait du sport, mais c'est aussi à tout moment de la journée. Si au travail, vous êtes tout le temps assis, par exemple, n'hésitez pas de temps en temps à vous lever de la chaise, à faire quelques étirements et vous rasseoir. Ça permet au corps un peu de se relaxer, de se délasser. Et relâche. On va ouvrir les coudes ici, grands. Et on va garder une jambe au sol. Et l'autre, on va la passer ici derrière. On va faire un petit twist. Donc, une jambe reste au sol et l'autre se relève. Petite torsion dans la colonne vertébrale. Ça, c'est pareil. C'est toujours pour le confort vertébral. C'est un étirement qui est utilisé en yoga, en kiné. C'est très, très bon. Et de l'autre côté, la même chose. Une jambe au sol et l'autre se soulève. On y va tranquillement. C'est le moment détente. On l'a bien mérité. Voilà. Et relâche. Main de part et d'autre de la poitrine. On va y aller doucement, coude bien collé. Cette fois-ci, on va essayer de garder le bassin au sol. Et on va tout doucement monter. On y va tranquille, on étire les abdominaux. Si on sent que ça fait un peu mal en bas du dos, relâche de suite. Sinon, profite. Et relâche. Une séance vraiment complète. Voilà, on va continuer par étirer les jambes. Une pliée. On peut la plier devant, on peut la plier derrière, hein, du moment qu'on se tient droit. Et on va descendre légèrement vers cette jambe. Voilà. N'hésitez pas à enregistrer les épisodes de Fais ton sport si vous avez des séances favorites. Comme ça, vous pouvez les refaire régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours. Vous voyez là où vous pouvez progresser. Voilà. Échange de jambes, la même chose. On pense à bien respirer. Si on a des petits moments de flottement là, dans les minutes qui suivent, c'est normal. On se relâche, on laisse l'esprit se relâcher un petit peu. Il a besoin lui aussi de récupérer. On va venir chercher d'un côté, petite torsion. Voilà. De l'autre, la même chose. Toujours le confort de la colonne vertébrale. On peut finir tranquillement en papillon, vous savez que je l'adore. Voilà pour les étirements. J'étais ravie d'être avec vous. Tout de suite, la Minute Nutrition. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à la question de Lise qui nous dit « Je n'arrive pas à arrêter de grignoter, que faire ?» Alors, pour arrêter les grignotages, la première chose à faire, c'est de consommer un petit déjeuner. En consommant un petit déjeuner, tu vas réguler ta glycémie pour la journée entière et donc ça participe vraiment au fait d'arrêter les grignotages. Ensuite, au déjeuner, il faut vraiment que tu consommes une quantité de féculents adéquate pour ne pas avoir faim dans l'après-midi et tenir jusqu'au dîner. Mais si jamais tu as faim dans l'après-midi, plutôt que de grignoter, l'idéal, c'est de consommer une collation qui soit équilibrée. C'est OK de consommer un goûter, par exemple, un fruit et un laitage.
La dernière chose, et ce serait mon conseil primordial, c'est de ne pas avoir dans tes placards des aliments qui déclenchent des envies. Par exemple, si tu as tes biscuits préférés, et bien naturellement, tu vas plus avoir envie de les consommer. C'était la Minute Nutrition. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour poser toutes vos questions. On se retrouve bientôt. Merci pour la Minute Nutrition, c'était super intéressant. Oui, c'était une question que vous nous avez posée sur les réseaux sociaux, alors continuez à nous en envoyer. En tout cas, le pack complet qu'on a fait aujourd'hui, c'est vu, hein. Très complet. Ah oui, oui, bas du corps, haut du corps, abdos, c'était le full même, je dirais. Tu vois, étirement, nutrition, la boucle est bouclée. Maintenant, douche et repos, d'accord? C'est ça, ben voilà, on aura le pack complet là. Parfait. Allez, on se retrouve dans de prochains épisodes et en attendant, fais ton sport.